C'est avec une caravane sur différentes artères de la ville de Goma à laquelle ont pris part lauréat et corps académique de l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Goma qu'a débuté la double cérémonie des collations de grades académiques et de clôture de l'année académique au sein de cet institut supérieur. C'est samedi 7 octobre 2023. À cette occasion, une messe eucharistique a été organisée pour rendre grâce à Dieu pour la fin de l'année académique 2022-2023 en présence d'autres personnalités et autorités provinciales. Dans la foulée, le secrétaire général de l'ISAM Goma a présenté le rapport académique de cette institution avant la proclamation des résultats académiques. Les gens de Goma et les activités académiques de l'année 2022-2023 à l'ISAM Goma a dans l'ensemble respecté les échéances fixées par le calendrier officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de l'ANDIS. L'ouverture de l'année académique 2022-2023 a eu lieu le lundi 5 janvier 2023. Les cours ont commencé à l'ISAM Goma le lundi 9 janvier 2023 et les promotions ont été. Tandis que la scène de recrutement de la première année des licences en système LM2 et les enseignements ont commencé le mercredi 11 janvier 2023. Il s'est de signaler que nous avons continué l'ancien programme, sauf dans les promotions de L1 et L2 et LM2. En dernier ressort, sur un total de 144 finalistes, 88 étudiants sont candidats à la collation de grades académiques de ce 7 octobre 2023, dont 27 lauréats en coupe en couture, 17 en gestion et administration de projet, 41 en modélisme, 5 en technique d'habillement, et 3 en informatique de gestion, soit un taux de réussite de 61,11%. Invité à s'exprimer à cette occasion, le représentant de l'autorité provinciale a salué les efforts de l'ISAM Goma visant à former des acteurs de développement de la société. De son côté, la directrice générale de l'ISAM a félicité les lauréats de cette année, assurant que son institution va œuvrer davantage pour former la jeunesse congolaise. Des sacrifices conjugués afin de léguer à vos enfants un patrimoine indéniable. C'est la raison qui leur servira de modèle vital. Merci à vous tous ici présents. Votre participation à cette manifestation non seulement nous encourage, mais aussi nous honore et constitue notre fierté et notre unité. Enfin, nous remercions tous les étudiants et en particulier ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui pour l'endurance dont ils ont fait montre. Ils ont pris au sérieux leur devoir d'étudiant, malgré les différentes perturbations rencontrées, jusqu'à finir leur cycle avec succès à cette première session. Ils sont tous en cause, qui couronnent la fin de leur cycle et font leur bonheur et fierté en ce jour. Les lauréats n'ont pas manqué de remercier le corps académique de l'ISAM pour ses efforts inlassables. Cette collation des grades est un moment solennel où nous reconnaissons non seulement les talents et les efforts des étudiants qui ont atteint le plus haut
niveau des réussites académiques, mais aussi l'engagement soutenu d'Elisa Mboma pour l'excellence et l'éducation de qualité au travers de ses différents services. En tant que diplômés, nous sommes le fruit de l'enseignement supérieur de cette institution de renommée qui nous a permis d'acquérir des connaissances approfondies et des compétences précieuses.